Allez, on va finir. Non, il tire à côté. Bon, les potards. Mais t'en reviens pas. Je n'ai jamais, en 3 ans, jamais pris la tête sur la finition dans le but et j'ai jamais été aussi dur que maintenant. Parce que là, c'est du foutage de gueule. On est parti faire un match contre une équipe polonaise pour la Ligue des Champions amateurs. Attends. Allez. Oui. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'étais fatigué, mais à ce moment-là, c'est comme si je venais de commencer le match, c'est-à-dire j'avais aucune fatigue. J'ai mon petit extérieur du pied et c'est passé, on a gagné. On est sur le point d'affronter Épône, qui est dernier de notre classement, 12e sur 12. Forcément, on est humain, on est premier, ils sont derniers, on se dit que ça va être un match qui normalement devrait être abordable. On sait que tout est possible et qu'il faut vraiment faire attention parce que quand on tombe dans cette facilité, c'est là où on peut se faire avoir. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait être très sérieux et qu'on arrive à marquer rapidement pour encore une fois se rendre le match facile parce qu'on sait que contre n'importe quelle équipe, quand le 0-0 s'éternise, ça peut devenir un peu bourbier et compliqué. Bon, souvent on arrive à moins douter en tout cas qu'avant, mais bon, encore une fois, si on peut marquer rapidement, c'est mieux. Il y a des joueurs qui ont été mis au repos parce que certains d'entre eux sont blessés ou alors ont des blessures, des risques de blessures. Donc pour un match comme Épône, on a préféré les laisser sur le côté, chez eux au chaud, pour parler de la tactique. Cam aujourd'hui est titulaire. Feti, tu es sur le banc tout simplement parce que tu as fait un gros match en Pologne et que tu as aussi besoin de te récupérer parce que c'était un gros match, ok. Et que je préfère le dire, c'est que le match d'après, c'est Houille. Donc c'est les mecs qui sont juste derrière nous et qui, à mon avis, c'est l'équipe avec qui on va devoir se taper toute la saison, à mon avis. Ok. Ce match va être un piège, mais pour nous. Je pense que l'équipe d'en face, si je me fie aux stats depuis le début, je pense pas qu'ils vont nous mettre en grand danger. Par contre, je pense que nous, on peut se mettre en grand danger. On a perdu du temps, Andrézy, à cause de ce match-là. Aujourd'hui, on va être obligé de faire les choses correctement, mais rapide. On va être obligé de dérouler rapidement. Ok, messieurs, ça marche? Allez, go. And that shit a con, no, I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody tryna step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. And when my time comes and that shit a con, no, I'm ready. Always hit what I aim for, bitch,
I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way it is. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi quand on joue une équipe qui est beaucoup plus faible que nous, on veut toujours faire du five, on veut dribbler tout le monde? Pourquoi? Je vous l'ai dit en plus tout à l'heure. Pourquoi on joue pas en deux touches de balle? Parce que là on devrait les manger à... Enfin, expliquez-moi, je comprends pas. Pourquoi tout le monde veut tricoter là? Pourquoi on veut garder le ballon? Expliquez-moi, je comprends pas. Pourquoi on s'empêche d'être plus fort, beaucoup plus fort que l'équipe qui est en face de nous? Pourquoi? Là, on dirait que vous êtes, quand vous jouez devant, vous êtes tous là. Vous faites des passes là, trois là, et ils sont 12 derrière. Donc forcément, si vous êtes là et vous rentrez dedans, ça va être beaucoup plus facile pour eux de défendre. Maintenant, si vous montez tous et que chacun prend sa position et que ça touche en une, deux touches de balle, ça va plus vite, ils vont pas comprendre. Mais là, plus vous gardez la balle, plus vous tricotez, plus c'est facile pour eux de défendre. Romain, t'as des choses à dire ou pas? Tactiquement, sur ce que tu viens de dire, tout est dit, mais moi je reste persuadé hein, qu'on a un problème d'état d'esprit. Hein, pour une partie d'entre vous. Hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais il y a une réellement. Je sais pas. Soit on se la pète, ça y est, je commence vraiment à aller de ce côté-là. Je vous ai toujours défendu, j'ai toujours dit qu'on avait un groupe qui était assez humble. Bah, soit ça y est, il y en a, ils se la racontent. Soit on est trop égoïste, soit on n'a pas du tout la même vision de jouer au foot en fait. Il va falloir arrêter de se regarder, se prendre pour je ne sais pas qui, et d'avoir cette dalle d'aller vite. C'est normal que en division 3, avec le niveau que vous avez, la seule chose que je répète depuis tout le temps, c'est joue vite, mets du rythme, mets du rythme. C'est pas normal, les gars. Est-ce que vous avez réellement envie de jouer? Des fois, je me pose la question. J'ai une partie des joueurs, tu le vois, tu le sens. J'ai une autre partie des joueurs. Eh, les gars, allez faire des fives, filmez-vous. Et puis faites-vous plaisir, montrez aux copains ce que vous avez fait. J'en ai rien à foutre, et quand je dis Jean, c'est moi, Maxime, tout le monde. On en a rien à foutre que ce soit beau, on en a rien à foutre que ce soit esthétique, on en a rien à foutre de tout ça. On a juste envie que vous soyez énergique, que je prenne la balle, joue, dépêche-toi, que je remette vite, que je sois tout de suite prêt. Vas-y, vas-y, je suis là, viens. Il y a la moitié du groupe qui est comme ça, il y a l'autre moitié qui est pas comme ça. Et ça me déplaît en fait, parce qu'au-delà de tout ce que, tactiquement, de tout ce dont on parle, c'est des choses que on a déjà travaillé, il faut que ça se mette en place. J'ai vu Mas et Yacine pas réussir à communiquer pendant 20 minutes, on avait l'impression que les deux, ils se connaissaient pas. Puis à un moment donné, oh Yass, viens voir, Mas, viens voir, ils se sont posés, ils ont parlé fin du bal. Les 25 dernières, c'était correct. Donc il n'y a pas de souci pour ça, il y a des incompréhensions, on ne comprend pas. Mais par contre, l'état d'esprit, les gars, prenez la balle, jouez au foot. Jouer une équipe plus faible, c'est typiquement le problème qu'on a. Prenez la balle, jouez au foot. Arrêtez de vous regarder, je fais la bonne passe, j'ai le bon comportement, j'ai le bon... jouez. Soyez dégueulasse en jouant, je m'en fous, mais mettez-moi de l'intensité, de l'envie. On repart avec un autre état d'esprit, s'il vous plaît, là, sur la deuxième mi-temps. Parce que la semaine prochaine, on commence les gros matchs. Et ces gros matchs, ils se préparent maintenant. Ok? Je dis pas ça pour vous abattre, hein. Je dis juste qu'il va falloir prendre conscience des choses pour pouvoir les corriger. C'est tout. Ok, les mecs? Allez, 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 allez. We'll be right back.
On affronte du coup les premiers contre les deuxièmes. On est premiers, ils sont derrière nous à un point seulement. Donc voilà, on sait que ce genre de match, on l'a tous vécu un peu dans les championnats amateurs dans lesquels on joue. Le gagnant passe premier, le perdant est deuxième. Donc on a vraiment à cœur de ne pas perdre, surtout. C'est chez eux. Et surtout, c'est contre une grosse équipe de Houille. Je me suis beaucoup renseigné et Houille, c'est un très gros club. Ils ont du coup cette équipe de D3 senior, mais ils ont aussi R3 et R1. Donc avoir deux équipes en régional, c'est vraiment gage de qualité. Il faudra du caractère à notre équipe pour ne pas perdre ou voire même gagner. Ça serait vraiment incroyable et mettre 4 points d'avance du coup à Houille. Parce que je pense que c'est l'un de nos rivaux les plus coriaces pour cette saison et pour la montée en D2. J'étais donc dans un état d'esprit, on va dire... conquérant entre guillemets, vu qu'on joue contre Houille et que c'est notre concurrent direct à la première place, en sachant que au match dernier j'étais absent. J'étais très pressé de jouer ce match et vu que c'est le match le plus important de la saison, ça va nous permettre d'être dans un confort si on gagne, et si on perd on va devoir courir après le premier. J'ai pas trop envie de ça, donc j'étais dans un état d'esprit super positif aussi. Messieurs, aujourd'hui, ça va être le vrai premier test de la saison. J'ai pas envie de vous dire on n'a pas le droit à l'erreur, il faut absolument gagner, pour vous mettre la pression, ça sert à rien. Vous savez très bien, dans vos têtes, vous savez très bien que c'est un match important et qu'il faut le gagner pour être tranquille. Pour au moins être tranquille pendant quelques temps, ok? Le jeu qu'on joue ces derniers temps, il est très bon. On a un gros manque d'efficacité, certes, mais le jeu qu'on joue ces derniers temps, il est très bon. Les entames de match sont très bonnes. Là, tout de suite, il faut rentrer dedans et planter le plus rapidement possible pour être tranquille. N'oubliez pas qu'on est une équipe, jouez ensemble, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir gagner, en jouant ensemble, ok? Qu'ils soient bons ou qu'ils soient nuls, c'est à nous d'augmenter le niveau, c'est pas attendre qu'eux ils soient bons ou qu'ils soient nuls pour accélérer le jeu, pour ralentir le jeu, pour faire notre jeu, ok? Le match a commencé en retard, ils ne voulaient même pas qu'on s'échauffe, qu'on commence le match comme ça. Donc vous allez avoir très peu de temps pour vous mettre dedans, donc Herman, Mayo, Jeep, tu peux m'enlever ton survêt, vous êtes prêts déjà, vous avez juste un sweat à enlever qu'on mettra dans le sac à ballon à la rigueur si vous voulez, mais on optimise un maximum pour être tout de suite prêt parce que l'échauffement va être très court et de façon à ce que vous soyez tout de suite prêt. Ça va être une bataille. Pas parce qu'ils font 1m80, je sais pas quoi, les gars, si on fait venant, on met le pied, on s'est pas bousculé parce que sinon ils vont prendre la confiance. Et les gars, pas de pression. Même si nous rentrons dedans, il n'y a pas de pression. On joue nos dieux. On s'amuse. C'est pas à nous de nous adapter à l'autre. Je vous en voudrais jamais parce que vous le rentrez dans la gueule en jouant au foot. C'est ça. Par contre, fermez vos bouches. Personne ne parle, les gars, dedans direct. Ils ont des mecs direct. Ça va être malin, ça va être vicieux. Ça va être vicieux, ça va être malin. Soyez intelligents, soyez malins vous aussi. Il est à nous celui-là, on repart avec. Allez, 3, 2, 1. Comment je vais essayer? Let's go!
Commence très très mal, on peut pas commencer plus mal un match parce qu'on se prend un but au bout de 1 minute et 10 secondes je crois. Donc là pour le coup on est sur le banc, on se dit ok, déjà on se dit que c'est un match compliqué, on se prend un but au bout d'une minute, le mec qui marque il fait un salto, donc déjà on sait qu'éventuellement il joue pas en départemental, en tout cas c'est vrai que ces célébrations souvent, pour rigoler, mais qui est peut-être un plus haut niveau. Mais surtout c'est marrant parce que mon père qui arbitrait sur le côté était à côté du buteur et le buteur a dit à ce moment-là: ça va être facile les gars, let's go. Donc je pense que voilà, pour eux ils se sont dit waouh, on marque au bout d'une minute, on va les écraser. Donc là, sur le banc, on s'est dit ça va être compliqué. Si vous avez des choses à vous dire, c'est maintenant. Moi je veux même pas parler. J'ai pas besoin de parler. Attends, juste parler dans les vestiaires. C'est tout, vous criez comme ça devant tout le monde, les gars. Quand les autres sont prêts dans les vestiaires, c'est qu'au début du match, on se dit des choses. On se regarde droit dans les yeux, on se dit des choses. Je suis d'accord, mais il y a des matchs. Je sais. Épaune, c'est pareil, je dis des choses. Comme si personne n'écoute, c'est pas grave. Dans ce cas-là, moi, je laisse ceux qui sont des choses. Mais si c'est à nous sur le terrain, moi, au bout d'un moment, je peux pas. Mais on se dit les choses. Ça fait 10 choses tranquillement, les gars. T'as vu, en tant que capitaine, t'as pas besoin de véhiculer une mauvaise énergie. Je sais. Parce que là, tu gueules. La vie de ma mère, ça fait plusieurs matchs, j'accumule, je dis rien. Au bout d'un moment, ça explose. Parce que là, c'est match important. Dans ce cas-là, tu parles aux entraînements. Parce que là, je dis, on fait n'importe quoi. Tu vois le problème? Le problème, c'est que mentalement, il y en a qui sont là, il y en a qui sont un peu moins là. Physiquement, il y en a qui sont là, d'autres qui sont un peu moins là. Et quand vous croisez toutes les données, et bah ça fait qu'on peut pas être prêt au moment M. C'est ça, les gars, qu'on vous dit. C'est pour ça que Maxime, il est furax à chaque fois. Romain aussi, il nous le répète. Des fois, il pose des coups de gueule à la mi-temps. Rappelez-vous, Andrézy. C'est pour ça, les gars, qu'il faut qu'on soit unis. Même si, ok, il a mal parlé, ok, vas-y, on passe à autre chose, je suis dans mon match. Après, on va se parler à la fin. Combien de fois Romain il a dit ça? Mais les gars, s'il vous plaît, rentrez-leur dedans. Wesh, ils nous mettent des semelles. Ils nous broient les jambes depuis tout à l'heure, là. On est là, on est gentil un petit peu. On leur a rentré dedans, mais c'est pas suffisant, les gars. Dans les duels, tout au corner. Il avait dit, Maxime, soyez vigilants. On se prend un but sur corner. Ok, on a eu une très bonne réaction sur le premier but, très bonne réaction de Gilan, même de toute l'équipe. On a vite remis le 1-1. Mais faut pas lâcher, les gars. Mais des fois on se casse la tête, on joue long, on va pas chercher pied, on se complique la vie, on fait 3, 4, 5 touches. C'est ça qu'on dit, c'est tout. On se regarde droit dans les yeux, on se regarde dans les yeux, on se frustre pas, les gars. On n'a pas fait une très bonne première mi-temps, on a beaucoup réagi, on n'a pas vraiment agi. Donc les joueurs ont parlé entre eux, les joueurs qui avaient joué la première mi-temps, ils se sont dit leurs 4 vérités. Donc ça a fait du bien, je pense, pour le groupe, parce qu'il y avait des choses, à mon avis, qui étaient en train de remuer. Mais là, du coup, ils se sont libérés, on va dire, d'un poids. Et je les ai sentis vraiment avec un autre état d'esprit par rapport à la première mi-temps. Il fallait qu'on prouve, pas au coach, mais qu'on se prouve à nous-mêmes qu'on pouvait gagner même contre des équipes qui avaient un meilleur football, parce que oui, en première mi-temps, ils ont clairement eu un meilleur football que nous. Les gars, on s'est dit les vérités.
Je pense qu'au bout d'un moment, il fallait. Ça fait plusieurs semaines. Je pense que moi, j'ai gardé ça, j'ai gardé ça. Là, je l'ai pas fait de la bonne manière. Ça s'est exprimé sur le terrain parce que je vois. On est trop suffisant, on met de la suffisance dans tout ce qu'on fait. Là, on joue à la baballe, on va taper long, on va espérer que Nathan fasse une différence, que Paul fasse une différence, alors qu'on a les qualités pour jouer ensemble, pour jouer simplement. Mais c'est juste qu'on se met au niveau de nos adversaires à chaque fois. À Epone, première mi-temps, on s'est mis à leur niveau. Deuxième mi-temps, on a élevé le niveau, regardez ce qu'on a fait. Et en plus, comme il a dit, d'un point de vue extérieur, on est ensemble. Que on dirait que vous jouez à l'entraînement en mode vous en foutez. Allez, vous mettez juste un peu plus d'envie. Allez, on leur rentre dedans, les gars. Deux fois plus que la première mi-temps, les gars. 1, 2, 3. Comment la vitesse ? Énormément joué dans ce match là, j'ai joué il me semble 30 minutes, j'étais rentré avec Tahir et Romain, on nous avait dit qu'on pouvait changer le match, qu'on apportait notre énergie vu qu'on sait qu'on est des joueurs qui lâchent rien. Comme je t'ai dit, ça résume bien le match parce qu'on n'a rien lâché, on a joué tous ensemble, même si on a fait des erreurs les uns les autres, on s'est toujours soutenu, on s'est toujours tiré vers le haut. Donc c'est vraiment un but collectif, même si l'action, c'est pas vraiment une action collective, mais ça reste un but collectif parce que tout le monde s'est donné jusqu'à la fin. Chris, moi j'ai jamais eu de doute sur lui en général, mais en fait humainement parlant, sportivement, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la personne, l'humain si je puis dire, et c'est vrai que je m'entends bien avec lui, et je sais pas, j'aime bien sa mentalité. Il a eu un moment un peu difficile en début de saison parce que voilà, il était peut-être pas dans la forme dans laquelle il était en fin de saison dernière. Mais voilà, en fait, il ne se laisse pas abattre, il travaille, il ne rentre pas dans un truc de remords ou de vouloir, d'en vouloir aux joueurs ou quoi. Il fait son trou et ce que j'aime bien, c'est qu'il répond en travaillant et sur le terrain. Et ça, j'aime beaucoup. Donc Chris, en fait, vraiment, lui, j'avoue, il fait juste le taf quoi, qu'on lui demande et il se donne toujours au max. Bravo à lui, en tout cas, parce qu'il nous a vraiment fait du bien sur ces dernières semaines avec le Minsk FC. Pour moi, Yacine, c'était l'homme du match parce que déjà, il a mis un très beau but. C'est un joueur qui nous aide énormément, qui nous apporte beaucoup sur ce côté-là. On avait besoin de joueurs comme lui, un joueur qui
transmet son énergie à l'équipe et positivement, parce que parfois il peut être frustré, mais c'est pas pour autant qu'il va nous transmettre ça. Et même à l'entraînement, quand tu vois Yacine, il se la donne, il encourage les gens, tu as envie de le suivre. Et c'est un profil de joueur dont on avait besoin. Et il a un bon football, comme on a pu le voir, il a mis un beau but. Et c'est un joueur qui va être très important durant la saison, je pense.